Jessica, t'en fais pas. Ok, je veux pas y aller. Jessica, c'est bon, ça va bien se passer, je te promets. Patient suivant, s'il vous plaît. Quoi? Moi? Non, je veux pas, non. Allez. Jessica, arrête de faire ton enfant là-haut. Je veux la maman. Non, Jessica, c'est bon là, mais ça suffit. Salut, salut! Oh, Jessica et Ken, bah qu'est-ce que vous faites là? Je suis contente de vous voir. Hein? De quoi? Ken, tu m'expliques? Jessica a mal aux dents depuis 2 jours, mais elle avait trop peur de venir. Oh, Jessica, t'inquiète pas, t'as pas à avoir peur. T'es pas toute seule, t'es bien accompagnée. Et puis bon, tu sais, je te ferai pas mal, hein. Jessica, je te promets que je serai très tendre. Je fais jamais mal à mes patients. Ken, j'ai peur, donne-moi ta main. Bien sûr, tiens mon cœur. Alors, voyons voir ce que tu as là. Je veux pas ouvrir la bouche. Bon, écoute Jessica, je vais t'expliquer tout ce qu'on va faire étape par étape pour que tu t'inquiètes pas. Regarde, ça, ce sont tes dents. Cette dent-là est toute marron parce qu'elle a une carie. Cette carie, il faut l'enlever parce qu'elle peut s'aggraver très vite. Mais pour t'enlever cette carie, on va procéder à une anesthésie. On injecte l'anesthésie dans le nerf de ta dent. Là, tu sens plus rien normalement parce que l'anesthésie commence à agir. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la machine qui fait... Ah! Je crois que tu parles de ça. Eh bien, c'est justement ce qui permet d'enlever la carie. Ensuite, on rebouche le trou avec un plombage. Il faut bien boucher tout le trou avec le plombage. Et c'est tout. Après ça, tu peux sourire. Comme tu veux. Ah, c'est ça. Ok. Bon, à nous maintenant. Fais A. A. Alors. Ah oui. Tu as une bien belle carie là. Ne t'inquiète pas, t'as droit aussi à ton anesthésie. Ok, tiens-moi bien la main, tiens-moi bien la main. Ça fait pas mal. L'anesthésie va marcher et maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Maintenant tu peux cracher. Ah, et c'en est terminé pour cette carie. Et maintenant il nous faut le plombage. Et hop là, tatin, tatin, et c'est bon. Bah tu vois Jessica, c'était pas si terrible. Oui, c'est vrai que tu as raison, je sens plus rien. Jessica sent encore les effets de l'anesthésie. Mais t'inquiète pas, ça va passer. Merci Sophie. Et n'oubliez pas surtout de faire très attention à vos dents. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir des caries. Et nous, ce qu'on veut, c'est des dents en bonne santé. On a compris, salut! À bientôt! Et toi, est-ce que tu prends bien soin de tes dents? Et surtout, n'oublie pas de bien te les brosser. À bientôt! Hey Jessica, je peux avoir mon hamburger s'il te plaît?
J'arrive. Hey, tu peux m'amener mon cocktail aussi, s'il te plaît? Tiens. Hey, Jessica, j'ai mal au dos. Tu peux m'amener un autre coussin? Je t'amène ça. Pauvre Ken. Ah, c'est beaucoup mieux. Oh, comment va ta jambe? Hey, qu'est-ce que tu fais? J'ai mal. Pardon. Je peux te faire un massage si tu veux. Salut, c'est Sophie. Oh, Ken, qu'est-ce qu'il est arrivé à ta jambe? Avec Ken, on devait aller faire du shopping. Mais je suis tombée et je me suis cassé la jambe. On peut plus aller faire du shopping maintenant. Oh, mais c'est terrible. Je te propose de faire une radio. Une radio? Bah non, mais ça sert à rien de faire une radio. Vous voyez bien que j'ai mal. Ken, c'est vraiment important. Il faut qu'on regarde si ta jambe est cassée. Oh, ça a l'air marrant, ce truc. Alors, voyons voir ce que ça fait si j'appuie là. Là. Tiens. Oh. Alors. Moi aussi, j'ai fait une radio. Allez, Ken, tu vois, ça fait pas mal. Allez. Attends, Ken, avant la radio, il faut juste enlever ton bandage. Aïe, attention. Alors, j'allume. Alors, voyons voir. Mais Ken, ta jambe n'est pas cassée. Tu as juste dû te cogner un peu fort. Hey Sophie, je crois que Ken nous a menti, mais je sais pas comment vérifier. T'as peut-être raison. Je crois que j'ai une idée. Ken, il est temps de te remettre ton bandage. Aïe, ça fait mal enfin. Doucement. Bon, c'est bon, maintenant que vous avez compris que j'avais vraiment mal, je dois aller regarder la télé pour me reposer. Oh oui, Ken, assieds-toi bien confortablement. Allez, vas-y. Je savais bien que tu mentais. Quoi? Mais je mens pas. J'ai vraiment mal. Aïe. Ken, après la radio, on t'a mis le bandage sur l'autre jambe et t'as même pas remarqué. Oh, pardon, oui, c'est vrai, j'ai menti. Ah, t'as menti? Eh ben, fais bien attention à toi. Attends, je vais tout t'expliquer. Je voulais juste pas aller faire du shopping. Ah, c'est comme ça? Bon, d'accord. Oh, pardon, Jessica. Allez, viens, on va t'acheter tout ce que tu veux pour me faire pardonner. Oh, c'est vrai? Oui, allons-y. Salut, Sophie. Salut. Et toi, tu aimes faire du shopping? Moi, j'adore ça. Oh, d'ailleurs, j'ai besoin d'une nouvelle robe. Hé, hey, attendez-moi, j'arrive! Salut Jessica! Bah, qu'est-ce que tu fais au lit? Bah ouais, on est venu te chercher pour aller à la soirée! J'ai attrapé froid! Allez-y sans moi. Ah ben non, on va pas te laisser.
qu'on prévienne Sophie. D'accord. Sophie! Sophie! Salut tout le monde! Bah, qu'est-ce qui se passe? Jessica est tombée malade et on ne peut pas aller à notre soirée. Oui, soigne-la s'il te plaît. Eh bien, oui, je suis là pour ça. Voyons voir ce que j'ai là. Alors... Non, j'ai peur. Je ne vais pas faire de piqûre. Ne t'inquiète pas, Jessica. Je voulais juste prendre le thermomètre qui était en dessous. Alors, je vais prendre ta température. Tu as un peu de fièvre. Il te faut des médicaments. Ken, Cindy, il faudrait que vous alliez à la pharmacie. Je vais vous faire une ordonnance. Alors, il vous faut des médicaments contre les maux de tête, du sirop pour la toux et des vitamines. Tenez. D'accord, on y va. On arrive bientôt. En attendant, Jessica, je vais aller te faire un bon thé bien chaud. Merci. Alors, le thé... D'abord, je vais mettre l'eau à chauffer. Je lui prends sa tasse préférée. Et un bon petit thé. Ou plutôt une tisane. Une bonne camomille. Et je crois que l'eau est chaude. Et hop là. Je vais lui amener tout ça. Tiens, Jessica. Bois ta tisane. Quand on est malade, il faut boire beaucoup de boissons chaudes. Merci Sophie. J'avais tellement envie d'aller à la soirée. Jessica, d'abord, il faut que tu ne sois plus malade. Si tu te soignes bien et que tu prends bien tous tes médicaments, tu pourras aller en soirée quand tu veux. On est de retour. Tiens Sophie. Merci beaucoup les amis. Vous avez fait du bon travail. Je vais te donner un bon petit sirop pour la toux. C'est pas très bon, mais c'est ce qu'il te faut. Et maintenant, je vais reprendre ta température. On dirait que tu n'as plus de fièvre, Jessica. Ah oui! Génial! Ouais, ça veut dire qu'on peut aller en soirée! Et non, pas aujourd'hui. Jessica n'est pas encore guérie. Tu vois bien qu'elle tousse encore. Oh non, je voulais trop aller à la soirée! Jessica, ne pleure pas. On a eu une super idée. De quoi? On va rester avec toi et faire notre soirée ici. Wouh! Oh, merci les amis, je vous aime tellement. Voilà de la bonne musique. Yeah. Je reviens tout de suite. Et moi, je vais aller faire du thé pour tout le monde. Je me sens déjà beaucoup mieux. Regardez ce que j'ai ramené. Des écharpes pour que Jessica se sente moins seule. Oh, quelle bonne idée. Wouhou! Et maintenant, on peut s'amuser. J'adore la musique. On s'amuse beaucoup mieux ici avec toi, Jessica. Et le thé est super bon. C'est bien vrai. Trop bon. Et comme ça, tu peux te soigner tranquillement. Et toi, tu aimes les soirées entre amis? À bientôt.